C'est un programme comme un rêve éveillé, c'est-à-dire totalement imaginaire. J'ai l'impression d'entrevoir par une porte une scène au 19e siècle qui n'a jamais eu lieu, probablement en fait, cette espèce de concert imaginaire que je me reproduis seul face à mon piano. Était complètement fasciné par le génie de Beethoven et on peut l'entendre dans certaines œuvres, notamment une des grandes œuvres vraiment du disque, une des pièces centrales du disque, qui est une grande fantaisie pour piano, qui s'appelle la Wanderer Fantasy, qui est la fantaisie du voyageur. On a toujours cette idée romantique du voyage, du pèlerinage. Thank you.
Schubert n'était pas un compositeur très connu de son vivant, malgré le succès qu'il a aujourd'hui. Et il était entouré d'amis, de quelques fans qui pratiquaient des soirées intimes de musique. Le fantasme un peu de ce projet, c'est une vision d'un concert collectif comme ça, dans un salon, dans l'intimité, vraiment. Et pour le refermer, je joue une petite valse en guise de clin d'œil, qui est une valse que Schubert a jouée, mais jamais écrite, jamais notée, et qui s'est transmise oralement. Et c'est un autre grand compositeur qui, 120 ans plus tard, c'est Richard Strauss, a noté cette petite valse.